Thanks to Valérie and all the team of this institution. But I can speak very, very well in English, and then for that I have a translator. Well, let's speak now in French and in English. It's okay for the sound? Can you hear me? Yes. It's okay? Yes. Pourquoi le choix de ces dates 1885 est le début de la période où les maisons de commerce de vêtements de luxe, dressmakers, sont citées comme maisons de grande couture et les modistes, milliners, comme maisons de haute mode. Cela intervient juste après la loi du 21 March 1884, régissant la protection artistique des industries saisonnières se rattachant à la parure et à l'habillement féminin. It is a copyright, cette protection des marques qui a été longue à appliquer sur les productions textiles confectionnées, qui a commencé par les dépôts de marques et brevets depuis the beginning of the 19th century, 1806, and complete in 1857. Cette question de la protection commence par, pour les chaussures et les chapeaux d'hommes et de femmes autour des années 1830. Pour les chaussures, il était aisé de coller à l'intérieur une étiquette imprimée semblable aux cartes adresses gravées qui se multiplient sur le papier commercial des boutiques. Pour les chapeaux rigides des hommes, on collait une étiquette ronde recouvrant tout le fond du chapeau. Pour les coiffures de femmes, on commença à estamper en lettres dorées l'adresse, la raison sociale et la signature de la modiste. J'ai déjà rappelé cela pour une exhibition in Galliera in 1883 in the book Au Paradis des Dames. Ce qui sera à l'origine de la griffe. Dans les années 1860, des couturières comme Madame Roger emploient déjà leur signature, complétée de l'adresse et très vite d'armes royales ou impériales, si elles ont obtenu un brevet. You know, it is sur demande et payant. Les maisons de nouveautés, les maisons de commission ont fait de même, car ce type d'advertising était essentiel pour le commerce international. Nous avons tous en tête les labels de Pinga & Hudson, de Worth & Bobeg, de la maison Vignon ou de Camille. Ce matin, je voudrais vous donner un bref aperçu de l'organisation bien rodée de ce commerce de la haute couture de Paris depuis les techniques commerciales issues des maisons de nouveautés, création du modèle, choix des fournitures et le processus de la diffusion diversifiée par le choix des clientes, la publicité ciblée dans la presse spécialisée ou non, textes rédactionnels et reproductions dessinées, puis déjà photographies, ainsi que la chaîne de diffusion commerciale, patron, toile, acheteur. First off, why choose these dates? 1885 is the start of the period in which luxury clothing houses, or dressmakers, are first cited as houses of grand couture and known as high fashion houses. This happened following the enactment of the law of March 21st, 1884, which governed the artistic protection of seasonal industries concerned with women's clothing and finery. This was copyright. Copyright is the protection of trademarks which had long applied to manufactured textile production and which began with the filing of trademarks and royal warrants as early as 1806 and was completed around 1857. This question of copyright protection began first for shoes and men's and ladies' hats around 1820 to 1830. For shoes, it was very easy to affix a printed label inside a shoe, resembling the engraved address cards, which had become very popular among the luxury shops. For men's hats, which were more rigid, a round label was attached that covered the entire crown of the hat. For women's hats, the address, the company name, and the milliner's signature were stamped in golden letters. And I've already made reference to this in 1993 in connection with an exhibit at the Galleria and in a book called Au Paradis des Dames, which was the case with Lucy Hockey, for example. This is the origin of what we call the maker's label.
As early as the 1860s, dressmakers such as Madame Roger used their signature together with the address and also a royal or imperial coat of arms, if they had one, on their labels. And in order to get this, this royal coat of arms, they would either apply for one or pay a fee for one. Dry goods stores, made-to-order shops also did the same thing, since this kind of advertising was really essential for international business. We all have in mind the labels of Pingat and Hudson, of Worth and Beauberec, and of the Maison Vignon and Camille. This morning, I would like to give you a brief overview of the well-functioning organization of the business of Parisian haute couture, from the commercial techniques which come from the fashion houses, the creation of the models, the choice of supplies, and the diversified distribution chain. Well, now, cette image regroupe huit figures de la haute couture parisienne autour du célébrissime Charles Frédéric Wirth, décédé un an plus tôt, en mars 1895. Ce dernier est au centre et flanqué de ses deux fils, Gaston et Jean-Philippe, qui ont secondé leur père depuis 1874 et seront les piliers de cette maison familiale jusqu'à la grande exposition 1900. Lorsqu'ils continueront à la tradition en s'appuyant sur la génération suivante de Jacques et Jean-Charles, et une quatrième génération tiendra la maison ensuite jusqu'en 1954. Cette maison est vraiment familiale, est une sorte d'exception dans le domaine de la mode, qui est plus proche, et cela est plus proche en cela d'autres types de commerces tels que les bijoutiers Mellériot ou Cartier. Parce que dans la mode, très souvent, la maison ne repose que sur le nom du créateur, peut disparaître à sa mort, ou bien n'est plus une marque, simplement une marque qui est tenue par des créateurs artistiques du studio de la maison. Et ces gens-là, on ne les connaît pas, ils sont inconnus, surtout au 19e siècle et au début du 20e. Ce n'est que au 20e et 21e siècle que l'on saura quel est vraiment le directeur artistique de telle maison. Par exemple, Lagerfeld pour Chanel. Alors, sur cette annonce du New York Herald, nous avons à droite le tailleur Redfern. Or, il s'agit en fait de Redfern, mais de Charles Pennington, Pointer, qui est styliste à Paris de la maison John Redfern, établie au 242 rue de Rivoli depuis 1881, avec des maisons à Londres depuis 1870 et à New York en 1884, succursale à Nice, Monte-Carlo et Cannes. Est connu sous le nom de Redfern Limited depuis 1892. Au centre, Jacques Doucet, que tout le monde connaît beaucoup mieux, mais qui figure comme patron de la maison Doucet. Il seconde son père, Urbain Édouard, qui ne meurt qu'en 1898, et qui était en charge de l'administration depuis 1886. Ce n'est pas du tout un créateur. Jacques Doucet est un homme riche, qui est artiste, mais qui n'est pas créateur, il est patron. Donc, il a un studio de dessinateurs. À gauche, vous avez Félix, c'est Émile Martin Poussineau, dont on a beaucoup oublié, mais qui était coiffeur, qui était venu couturier, et sa femme est modiste. La maison était 15 Faubourg Saint-Honoré, était très célèbre dans les années 1880, et ses enfants n'ayant pas continué, il a vendu en 1912. Des robes sont conservées très souvent dans les musées américains. Au registre inférieur, vous avez trois couturiers nouveaux. À droite, Paquin, Isidore Jacob dit Paquin, le banquier, que l'on la créatrice et sa femme, Jeanne Beckers, la fameuse Jeanne Paquin, épousée en 1891, et lui, il est le directeur de la maison qui a été créée en 1892, 3 rue de la Paix. Ensuite, vous avez donc à côté Louis Ronitz, que nous avons oublié, mais qui est une bonne maison de cette époque-là, qui est plus vers le quartier Richelieu-Bourse, et à gauche, le Rouf, qui était nouveau également en 1884, peut-être issu de la maison de broderie des Vosges. Il est boulevard Haussmann, et sa griffe en 1890 est assez fameuse parce qu'elle ressemble beaucoup à celle de Vorte de cette époque-là. In this slide, we have an illustration from the New York Herald, April 5th, 1896. And in it, you see eight figures from the world of Parisian high fashion at the time, in the center, we see surrounding the Charles Frederick Worth, who had died 1 year earlier in March of 1895. Worth is surrounded by his two sons, Gaston and Jean-Philippe, who had assisted their father since 1874 and who had become
pillars of this family business, right up until the time of the Universal Exposition of 1900. And they would continue the tradition by then passing on the business to the next generation, their sons Jacques and Jean-Charles. A fourth generation would manage the business up until 1954. This was a real family business, which is an exception in the world of fashion, and is much closer to other kinds of businesses, for example, in jewelry, where you have Millerio and Cartier. In fashion, where business is based solely on the name of the designer, that name can disappear upon his death, or else it's just kept as a brand name by the artistic creators of the business's studio, who were generally unknown and were never really mentioned until the end of the 19th and early 20th centuries. They would finally become known in the 20th century, as we know now, where we have the Lagerfeld for Chanel or McQueen for Dior. In this announcement from the New York Herald, we have on the right the tailor Redfern, or perhaps Charles Pennington Pointer, who was the Paris stylist of the House of John Redfern, which was located at 242 on the Rue de Rivoli and had been there since 1881. They also had a shop in London beginning in 1878 and also in New York from 1884, and other branches were in Nice, Monte Carlo, and Cannes. And the whole business was known by the name of Redfern Limited as of 1892. In the center, we see Jacques Doucet, a more familiar name, who appears as the head of the House of Doucet. He had been assistant to his father, Urbain Edouard, who had been responsible for administration since 1886 and who had died in 1898. He was not a creator. He was someone who was very rich. He was the boss, but he himself was not the creator. He had a studio of artists that took care of that for him. On the left, we see Félix, whose real name was Émile Martin Poussineau, who was a hairdresser turned dressmaker, and his milliner wife. Their house at 15 Faubourg Saint-Honoré was very well known after 1880 and was sold in 1912. Many of the dresses from their house have been preserved in American museums. In the bottom row, we have what were considered three of the newer dressmakers. On the right is Paquin, Isidore Jacob, who was a banker, and the designer was actually his wife, Jean Beckers, whom he married in 1891. And he was the director of this house, which was created in 1892 and was located at 3 Rue de la Paix. In the center, we see Raudnitz, probably Ernest Raudnitz, which was a new house in 1884 and shouldn't be confused with Raudnitz and Company, which was another house that was working at the same time, which was located at 13 Rue de la Grange Batelière in the Richelieu-Bourse neighborhood. And on the left, we have Roof, who was also new in 1884. And they specialized in embroidery from the Vosges region. And they were located on the Boulevard Haussmann. And in their label, in their maker's label, they simply had Roof hyphen Paris, which was a rival to the signature of Worth Paris. So they used it as a model. La rue de la Paix, qui regroupe de nombreux établissements de luxe, est le synonyme de Paris pour la mode et l'élégance de 1880 à 1900. Il y a des maisons de mode, tous les numéros. Le numéro 1, la maison Viro, modiste, petit Roger Couture. La maison Camille Lippmann, célèbre en 1900 au quatrième étage, tissu exclusif. Au 3, à l'entresol, Lalanne, couturière associée à Isidore Paquin. Et bien sûr, au 7, la fameuse maison Wort, comme on dit en France. On dit Wort, il disait Wort, lui. Worth en anglais, au 7 de, donc, rue de la Paix de 1859 à 1932. Locataire, mais qui s'étend progressivement sur tous les étages et même sur le numéro 5, qui sera le siège de Paquin Limited. Au XXe siècle, la progression des magasins vers l'ouest met légèrement en retrait la rue de la Paix par rapport à l'avenue Montaigne. Elle fait d'ailleurs le sujet d'un numéro de la revue La Renaissance de l'art français en 1923, qui en fait une sorte de réclame luxueuse non dénuée de regrets. Here we have a picture of the Rue de la Paix. Rue de la Paix was known for its numerous luxury establishments and was actually the Parisian synonym for fashion and elegance from 1880 until 1900.
Here we see at number one, the shop of the milliner Vero and Petit Rocher dressmaking. At number two, the house of Camille Lippmann, which was located on the fourth floor and produced dresses and exclusive fabrics. At number three, on the mezzanine, Lalanne, a dressmaker associated with Isidore Pequin and Hagnard. When Worth was located at number seven from 1859 to 1932. And first, its premises were rented. It rented, but it gradually expanded to all of the floors in the building and even to number five on the Rue de la Paix. And this eventually became the headquarters of Pequin Limited. In the 20th century, there was a progression of stores. They began moving westward, and it really caused the Rue de la Paix to lose something of its luster, and it became overshadowed by the Avenue Montaigne. And this, in particular, was the subject of an issue of the magazine, The Renaissance of French Art, in 1923, which reported on this not without some regret. Dans ce journal mondain, quelques couturiers sont représentés, mais non nommés. Peut-être à droite en haut, Jacques Doucet. En dessous, probablement Redfern, le grand tailleur, et beaucoup de phrases en anglais, l'air raide, c'est donc très anglais. Au centre, la maison Worth, on parle de deux frères. En bas, un homme au visage rond avec beaucoup de bagues, Émile Pingat, probablement, qui correspond à la description faite par Raymond de Goncourt lors d'une visite avec le peintre Denis Tisse, le 22 mars 1883, dans les ateliers du confectionneur au 30 de la rue Louis-le-Grand, quartier de l'Opéra, avec son entresol où sont les ateliers et l'emballage et des mannequins vêtus de robes montantes et noires pour mettre en valeur les toilettes à présenter devant les clientes. Sur la gauche, peut-être Madame Morin, l'épouse d'Albert Blossier de la maison Morin-Blossier, 15 rue Donou, quartier de l'Opéra, qui fait des robes pour les cours d'Angleterre et de Russie. And here we have an illustration from La Vie Parisienne, which was a society newspaper of the time. And you can see there are several dressmakers who are depicted, but they're not named. So we have to maybe do a little bit of guessing. Perhaps in the upper right, we see Jacques Doucet. Below, it's probably Redfern the tailor. There are many sentences in English under his photo, under his image. And so this may be a clue to that. In the center, we see the two brothers, the two Worth brothers from the House of Worth. And on the bottom, we see a man with a very round face who is wearing lots of rings. And this is Émile Pingat. And the illustration corresponds to a description that was made by Edmond de Goncourt during a visit with Denis Tisse on March 22, 1883, to the workshops, which were located at 30 Rue Louis-le-Grand near the opera. In these workshops, they were actually located on the mezzanine, and the workshops and the shipping and packing were done there. And models would walk through, and they would be wearing very high-collared black dresses to better show off the kind of clothing and accessories that were going to be presented to customers in the salons on the first floor. And on the left, this is perhaps Madame Morin, who was the wife of Albert Blossier of the House of Morin-Blossier, which was located at 15 Rue Danou near the opera. And they were known for making dresses for the royal courts of England and Russia. Dès l'origine, 1840-1850, les couturières et les modistes sont toujours en étage. La boutique sur rue est plus rare. Et n'est pas pour les couturières, mais pour les maisons de nouveautés, lingerie ou certaines modistes. C'est le cas de la maison Doucet que nous avons vu tout à l'heure dans la rue de la Paix, lingerie et chemisier dès 1824. Les couturières et modistes, au contraire, cherchent à reconstituer pour les clientes une atmosphère de salon luxueux. Worth organise ses salons premiers au-dessus de l'entresol dès 1859, mais il les agrandit en 1875. C'est probablement les siens qui sont dans la vie parisienne sur la gauche. En bas, le Figaro de 1889 montre les mannequins évoluant devant les clientes. C'est la fameuse essayeuse dont la vie parisienne de juin 1885 dit que c'est la fortune du couturier, grande, mince, serpentine, vêtue d'une robe de soie noire, col droit uni, très serré, rien qui gêne ni grossisse à l'essayage. And now we're going to take a look at some of the salons of the couture houses. Right from the beginning, 1840, 1850, dressmakers and milliners were always located on an upper floor in a building. The shop was on the street level,
A shop on the street level was really much more unusual, and it wasn't really for the dressmakers, but for the great fashion houses, for lingerie, and sometimes milliners would also be located there. This was certainly the case with the Maison Doucet, which was located on the Rue de la Paix, which we saw in the previous illustration, and was known as a lingerie and shirt maker since 1824. Dressmakers and milliners, on the other hand, tried to create an atmosphere of luxury in their salons so that their customers would feel that they were part of a luxurious experience. Worth organized its salons on the first floor above the mezzanine, beginning in 1859, but then it began to expand them in 1875. And this is probably what's presented here in La Vie Parisienne on the left. Below, from an 1889 issue of Le Figaro, we see models who are moving in front of the customers. And this is what was known as the essayiste, the fitter, about whom La Vie Parisienne in June 1885 said that the dressmaker's fortune is the fitter, tall, thin, sinuous, wearing a black silk dress, a high, tight collar, and nothing which hinders or disturbs the fitting. À droite, une figurine de Félicien Rops, le grand graveur belge qui a créé des figurines registered pour la maison de ses amis, les couturières Aurélie et Léontine Duluc, en 1883, alors 76 rue de Richelieu. Leur maison était ouverte en 1869, a pris beaucoup d'importance. Elles eurent à peu près 40 ouvrières. Elles firent plusieurs voyages aux USA, à Philadelphie, Chicago, au Canada. Elles ont même eu une succursale, un showroom en 1887, Madison Avenue. Chez Doucet, il y a déjà un commis, Charles Pardinel, et un studio de dessinateurs autour de José de la Peña de Guzman. Les maisons de confection et les grands magasins procèdent de la même façon, et même les couturières. Ainsi, Vidal Sœur, rue de Richelieu, citée le 11 août 1885 dans La Vie parisienne. La maison s'est attachée, le premier de nos dessinateurs de mode. D'un seul coup d'œil, cet artiste saisit la caractéristique de votre élégance. Si vous êtes en province ou à l'étranger, des croquis vous sont expédiés et vous choisissez à votre gré les créations que vous avez inspirées et qui ne seront jamais reproduites. J'ai montré en 1995 le dessin de mode sous toutes ses coutures, la naissance du modéliste, issu des ateliers de dessinateurs attachés au XVIIIe siècle au Menu Plaisir et au studio de dessinateurs inventeurs de maquettes de costumes pour les théâtres. Or, vers 1860, les dessinateurs industriels qui fournissaient des dessins pour les fabriques de broderies, dentelles, étoffes, apparaissent au bottin du commerce sous la rubrique dessinateurs en costumes et robes. Les plus connus sont Charles Pilate, Émile Leduc, Léonceau. Ce dernier, qui dirigeait depuis 1874 la revue La Figurine, agence de mode, lance en 1892 Mode Charme, qualifié de journal de tendance, qui propose aux négociants des cartes de nuances nouvelles, des dessins de nouveautés avec échantillons et des figurines pour créer des articles répondant au reflet des choses vues ou prévues de la mode courante ou à venir. On the right here, we see a design by Félicien Rop, the great Belgian engraver who created and registered designs for the house of his friends Aurélie and Léontine Duluc in 1883, then located on the 76 Rue Richelieu. Their house, which had opened in 1869, was becoming more important, and they themselves made a number of trips to the United States, to Philadelphia, Chicago, Canada, and even opened a branch here in New York on Madison Avenue in 1887. At Doucet, there was already an assistant, Charles Pardinel, and a studio of artists, which were headed by José de la Peña de Guzman. The manufacturing houses and the large department stores functioned in much the same way as did the dressmakers. For example, Vidal Sœur, located on the Rue de Richelieu, cited in the August 11, 1885 issue of La Vie Parisienne, was described this way. The house had one of the best of our fashion designers. With one look, these artists could capture the characteristic of your elegance, whether you were in the provinces or abroad. Sketches are sent to you, and you choose the creations you like, and those that you have inspired will never be duplicated. Yes, it's the same. Example de ces figurines, à droite, une de ces robes dont les dessins sont créés par les dessinateurs industriels, et une robe toute brodée à l'avance par les manufactures. C'est la même chose pour cela.
Trois exemples de ces figurines pour magasins et couturières. La grande maison de blanc, linge de maison, robe de mariée, dentelle, Marie Simon, couturière. Pour le Louvre, c'est la grande à gauche. Il suffit d'une grande lithographie de grand format qui est donc pour le rayon du grand magasin ou bien comme publicité pour des maisons à l'étranger ou en province qui veulent faire des publicités pour cette, maison, cette toilette ou ce manteau du Louvre. Oui, oui, mais c'était pour qu'ils voient les... Here you see some sample designs for Lyon manufacturer. On the right, we see one of the dresses for which the drawings were created by some of the workshop artists. And here, the Grand Maison de Blanc was a shop that specialized in household linens and in wedding dresses and lace. And Marie Simon was the dressmaker. For Le Louvre, this was a large lithograph intended for the clothing department of a department store, or perhaps with a smaller store that was connected to a larger store, either in the provinces or even abroad. Yes, now la griffe, la belle. C'est au bottin du commerce de 1863 que l'on trouve la première mention d'un doreur spécialisé en griffes pour mode, juste après la rubrique des nouveautés confectionnées. C'est le nom sous lequel sont désignées les maisons telles que Wurtz et Bobègue ou Pinga et Knudsen. Cette habitude se répand chez les couturières, modistes, magasins de nouveautés et grands magasins. C'est nécessaire à la protection pour l'exportation, mais aussi c'est très sujet à la contrebande. En 1866, paraît chez Picard un traité des brevets d'invention et la contrefaçon industrielle. C'est à l'ordre du jour, on parle beaucoup de ça. En effet, ici vous voyez une griffe new-yorkaise avec un nom français. Il peut s'agir d'une Française installée à New York qui a des accords avec une maison française, mais ça peut être aussi, simplement du piratage. Here we're going to see some of the maker's labels, which we referred to earlier. It was in the Bottin Trade Registry, which was a register of all businesses in 1863, that we find the first mention of a gilder, somebody specializing in application of gold. Working specifically on makers' labels for fashion. And this immediately followed the section on nouveautés confectionnées, which were then, and involved houses such as Worth and Beaubourg or Pingat and Hudson. And this habit of using the makers' label spread very quickly to dressmakers and to milliners and to individual stores and department stores. And the labels were actually needed to protect the products for export, but in actuality, it was also an area in which there was a great deal of smuggling, so this was an important addition. In 1866, Picard published a treatise on patents and industrial counterfeiting, so even then it was happening. What you see here in the upper right is a New York maker's mark, and it has a French name. In this case, it could be of a French woman who was based in New York, as is also the case with Madame Olympe in New Orleans, or perhaps it was just a forger. Les graveurs industriels et lithographes se sont intéressés très vite à la photographie qui permettait une reproduction fidèle d'un vêtement et très tôt la photographie a été utilisée comme preuve du dépôt d'objets auprès du greffe du tribunal de commerce. On a conservé à Paris des photos de châles dès 1865, des tournures, c'est-à-dire ce qui retient les jupons, les robes vers 1877, des modèles de robes ou de manteaux de maisons parisiennes. Comme ici, cette confection, ce qu'on appelle confection, c'est un mantelet, vu des deux côtés. À la fin du siècle, toutes les maisons de couture prirent l'habitude de photographier les modèles déposés. On conserve au V&A à Londres presque tous les modèles de la maison Wurtz, ce qui a fait l'objet d'un livre publié en 2014 par ce musée, par Amy de la Haye et Valérie Mendes, The House of Wurtz, 1896, et Biography of an Archive. Ici, un modèle de la maison Fred, à droite, en 1898, un album factice du musée Galliera. And now we're going to talk a little bit about the photograph, which was being used to document designs and to prove copyright. Industrial gravers and lithographers really had become very interested in photography quite early on. And it was appealing because it made a faithful reproduction of a garment possible. And so very soon photography came to be used as proof
that these particular designs had been filed or registered with the commercial court registry. In Paris, in the archives, there are photos of shawls from 1865, of bustles from 1867, of dress or coat designs from Parisian houses. And here you can see one, the garment on the left, where the photograph shows it as seen from both sides to document what both the front and the back look like. By the end of the century, all of the fashion houses habitually photographed their registered designs. And in the Victorian Albert Museum in London, almost all of the designs, the registered designs from the House of Worth, have been preserved and were actually the subject of a book that was published in 2014 by the museum called The House of Worth, 1890 to 1956, a biography of an archive. And this is a design from the House of Fred in 1898. L'emploi de l'anglais et parfois de l'allemand, de l'italien et de l'espagnol a été utilisé très tôt dans les cartes adresses de mode et l'on indique souvent English spoken, et cela dès les années 1860. Worth prend soin d'indiquer en français et en anglais « Please direct all letters to Mr. Worth personally ». Pour la maison Roger, il s'agit ici d'informer les clients de la nouvelle adresse pour la présentation des nouveautés de la saison. Cela s'adresse bien évidemment aux clientes américaines qui sont les plus appréciées à Paris dans cette période. And here we have an advertising card from the Maison Rocher in 1888, and it was a card that would be sent out to customers. And at this time, English and sometimes German, Italian, and Spanish were used in the fashion address cards, and there was often an indication on the card that English was spoken, particularly during the 1860s. Worth took care to state both in French and English on its cards, please direct all letters to Mr. Worth personally. For the House of Roger, clients were informed of the new location for the presentation of the season's new styles. And this was obviously addressed to American clients who were actually the most appreciated clients in Paris. Ici, cette carte adresse de Redfern à New York explique très en détail les produits proposés. Ceci est conforme aux annonces des magasins américains qui, depuis les années 1850, sont en lien direct avec les maisons de couture de Londres et de Paris. Voyez aussi cette facture sur la gauche d'un commissionnaire de Paris, Isaac Bloom, qui a une adresse à Paris rue Martel, près de la rue du Sentier, c'est-à-dire où se trouvent les grossistes en tissu. Et qui, alors, en 1890, a encore des armes impériales française, alors qu'il n'y a plus d'empire depuis très longtemps, pour bien indiquer qu'il s'agit de fournitures parisiennes. Les acheteurs américains des grands magasins sont très importants. On cite les magasins de Johnston à Broadway en 1872, with an unusually formed display of novelties for French costume. Johnston fera une visite chez Worth à Suresnes, qui est relatée dans le New York Times du 5 juin 1878. Les maisons parisiennes dès 1869, telles que Madame Duriez ou Worth et Bobeg, ont la possibilité de diffuser des modèles dans les journaux professionnels, tels que Le Printemps, dont les gravures montrent des modèles et dont les patrons découpés de toutes les toilettes se trouvent au bureau du journal. C'est le cas pour le Harper's, qui publie régulièrement des modèles de Worth dès 1872 et continue jusqu'à la fin du siècle. Cela est indissociable de la fourniture des patrons en papier ou en mousseline. Ce qui existe en fait depuis les années 1840 et qui existe toujours encore en 1893 lorsque le moniteur de la mode invite à visiter l'exposition de printemps de son salon de patrons modèles inédits qui ne paraissent jamais dans un journal et qui sont utiles pour les couturières de province qui trouvent trop cher d'acheter des robes chez les couturiers et toutes faites et veulent présenter quelques modèles à leurs clientes. Les acheteurs étrangers faisaient le voyage à chaque saison et avaient la possibilité d'acheter des modèles qu'ils pouvaient vendre dans leur magasin sous leur propre griffe ou bien avec accord de la maison parisienne. Here we have an address card for Redfern, which was located in New York, and which explains in great detail the kind of products that were being offered. This is very similar to the kinds of announcements that American stores that had direct connections with some of the French houses were producing in the 1850s and had been producing since the 1850s. On the left, we have an invoice from an agent in Paris, Isaac Bloom, who had an address in Paris on the Rue Martel near the Rue du Sentier, which was actually the location where many fabric wholesalers were located. And in what's curious here is that the date is 1890, but they're still using the French imperial coat of arms, even though there was no longer an empire. But this was done simply to indicate that it was, in fact,
Parisian products that were being provided. American department store buyers were very important. It's notable that there was a store called J.C. Johnson on Broadway, and in 1872, they had, quote, an unusually formed display of novelties for French costumes, as they described it. J.C. Johnston, the man for whom the house was named, would visit Worth in Suren, and it was such an event that it was actually reported in the New York Times on June 5th, 1878. From 1869, Parisian houses such as Madame Duryea or Worth and Beauberc had the possibility of distributing designs through professional newspapers such as Le Printemps, in which engravings show the different designs and the cut patterns of all the clothing in the newspaper's office. This was true of Harper's, which regularly published designs from Worth beginning in 1872 and continued to do so until the end of the century. And this is actually inseparable from or part of a whole process that also including providing paper or muslin patterns for the garments, which had existed since the 1840s and still existed in 1893. 1 minute. Abroad, many of the buyers would make trips each season, and they had the opportunity to buy models based on the drawings and bring them back to their own stores and produce them either with the label of the French house or with their own. Yes, it is a publisher. Cette Greffulhe est à chaque fois un mélange publicitaire. On utilise deux, comme si c'était Londres et Paris. Bon, c'est, quand elle, c'est un modèle réduit. Donc ça, c'était prévu comme cela. On va vous montrer un truc plus rapide. Ça, c'est dans la presse. Dans la presse, évidemment, vous avez des reproductions. Donc, this is in the press, so you see some of the designs we were just talking about from Harper's. Again, more of the designs. There's a famous catalogue de Moret pour... And de Moret was registered patterns, so you get that idea of copyright. That is the fame par rapport aux clients, dont choisit les clients particuliers, dont Madame Gautreau, là, pour une robe qui fait scandale, pour le salon 1884, faite par Félix. It was important to choose famous clients, and you see Madame Gautreau. And famous clients, en général des reines, la reine Marguerite à droite, en costume de bal costumé, et la reine Christine d'Espagne. C'est comme ça qu'une mode se fait, voilà, une publicité Harper's de Vought, et puis des robes dans le style 18e siècle à la mode de 1884. Les perles, dont Worth, ou bien la robe du centre qui est donc ici au Fighty. Et voilà, je voulais finir par le style artiste de Jean-Philippe Worth, avec ce fameux tissu que vous connaissez maintenant beaucoup, et là, le même tissu dans une robe de bal costumée, le grand bal Devonshire qui a été fait pour le jubilé de la reine Victoria à Devonshire House. And here we see some of the work of Jean-Philippe Worth, a famous pattern you've already seen before, but you can see how it's also repeated, and this was done in a court gown that was for the jubilee of Queen Victoria. Et là, c'était une autre période. Ce sont les financiers qui essaient de racheter les maisons de couture. Et dans les années 20, en fait, en plus de la crise, tout cela, ça va s'effondrer. Mais néanmoins, la couture va quand même subsister d'une autre façon. And later on, particularly after the turn of the century, more and more the business turned to a business that was owned by financial investors. And of course, they still needed the same avenues of advertising to promote the products. So...